Alors, nous sommes à l'ascenseur du temple des dragons à Farum Azula et nous sommes là. Et on va s'infiltrer jusqu'aux dragons sans attaquer les morts-vivants. Je vais vous montrer. Pas besoin de combattre, on va s'infiltrer. Vous y allez doucement. Vous longez bien le bord, comme ceci. Vous longez tout le bord. Vous passez derrière l'arcade, ici. Vous passez ici derrière aussi, comme ceci. Vous longez. Alors, ici, vous marquez une pause, vous les laissez passer. Ils vont se retourner, donc vous descendez un petit peu là. Vous attendez, le petit groupe de 3 va se retourner et le groupe de 4 va continuer tout droit. Voilà, il se retourne et c'est bon, vous passez. Et maintenant, on va aller voir le dragon. Donc à ce moment-ci, vous passez par ici. Alors, vous sautez ici, là-bas. Hop. Vous allez par ici. Et vous sautez là. Attention, ici, il y a des squelettes qui peuvent tomber du... Il y a des ennemis morts-vivants qui peuvent tomber des arbres. Ok, c'est bon. Il n'y a personne. Bizarre. Ok, on continue. Le dragon, on ne l'attaque pas. On va passer gentiment à côté de lui. Sans prendre de risque. Vous passez sur le côté, ça passe. Vous pouvez même toucher ses ailes, il se passera rien. Il y a une rune dorée à récupérer. Vous passez comme ceci. Vous passez comme ça, vous longez, vous passez sur son aile, il n'y a pas de souci. Vous longez ici, vous passez là, vous sautez, et c'est bon. Et vous avancez ici. Voilà. Alors, on continue à explorer. On va regarder un petit peu ce qu'il y a ici. Il y a un message là. Ok, je ne vois rien. Ah, par contre, là, en bas, je vois quelque chose. Ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est une zone où j'ai déjà été? Ouais, j'ai l'impression que c'est une zone où j'ai déjà été. Oui, c'est la zone où j'ai déjà été. Je vois. Non, on va pas aller par là. Donc, ah, il y a un objet récupéré. Ici. Alors, est-ce qu'on peut sauter là-bas? Ou que non? On va récupérer l'objet. Une pierre de forge 7. Là, il y a un pilier là. On peut grimper. On va d'abord regarder un petit coup ici. Il n'y a rien. On peut grimper sur le pilier. Ben, c'est ce qu'on va faire. On va grimper sur le pilier. Y a plein d'ennemis partout. Je vois rien. On continue. On va quand même faire gaffe. Alors, hop. Ici. Il y a un pilier ici sur lequel on peut sauter et aller dans la zone suivante, mais on va faire ça. Hop, attention de ne pas tomber. Je regarde les messages. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Embuscade droit devant. On se prépare pour le combat. Mise en embuscade. J'ai encore rien vu.
Lave-la. Ah, zut! Je suis bloqué par le rebord. Ok. C'est bon, il y en a sûrement un deuxième. Ouh là là. Ouais, on va dans le dos. C'est bon. Allez, encore un petit coup. Et puis, c'est bon. Ok, impec. Donc ça, c'était l'embuscade, je suppose. On va se soigner. On prend l'objet. Alors, manuel d'apôtre des dragons anciens 4. Alors, on continue. Ah, mais c'est le balcon pour la tempête, ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Ah, on peut sauter là-bas en bas, probablement. On va tenter le coup. Tentons le coup, ici. Ok, impec. Alors, après ça... Ah oui, mais on est au balcon pour la tempête, hein. Donc, ok, ici, il n'y a rien. Je vois rien. Là-bas, en bas, on a déjà été. Ici, je vois rien. Et je vais sauter ici. Hop là. Voilà. Ici, et je pense qu'on est revenu au balcon. Oui, c'est ça. On est revenu au balcon, mais on va sauver ici. Voilà. Et bien voilà. La vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.